Non, je sais. Tu comprends pas pourquoi tu es là. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Tu n'as rien à craindre pour l'instant. À part moi, bien évidemment. J'ai beaucoup médité, tu sais. Je me demande souvent pourquoi ne pas te pardonner. Mais la réponse est simple. Si simple. Tu as tué ma fille! Non, 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 je veux pas entendre tes excuses. Tu vois, j'ai attendu que ce jour vienne pendant très longtemps. Mais je suis toujours pas satisfait. Je veux que tu souffres comme j'ai souffert. Que tu pleures comme j'ai pleuré. Dis-moi, tu penses que je suis fou? On pourrait trouver toutes sortes de définitions. La folie est un trouble du comportement ou de l'esprit, comme l'effet d'une maladie altérant les facultés mentales du sujet. Tu penses que je suis malade? Si tu crois ça, il faut que tu entendes quelque chose. C'est l'histoire d'une jeune fille vêtue d'un chaperon rouge partie rendre visite à sa grand-mère. Elle traversa la forêt en cueillant des noisettes, très heureuse de faire ce voyage pour rendre visite à sa chère mère grand. En arrivant à la maison, elle toqua à la porte, puis l'ouvrit. Mais en rentrant, elle vit que sa grand-mère n'était pas là. Alors, elle fit quelques pas dans la pièce et elle se fit égorger par le meilleur ami de son père! Fin de l'histoire. Alors qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu regrettes maintenant? Choisis! Choisis la mort ou la perte d'un être cher! De toute façon, tu souffriras comme je l'ai décidé! Tu préfères sûrement mourir en premier. Je te ferai pas ce plaisir. Tu vois ce que c'est? De préférer sa propre mort plutôt que de voir un proche agoniser sans pouvoir l'aider. Est-ce que tu vois ce que c'est? Maintenant que tu as pu savourer la souffrance, tu ne me sers plus à rien.